Bonjour, bonjour, ici Sirabrisen pour servir et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu Final Fantasy Ever Crisis. Et oui, un nouveau gacha dans l'univers de Final Fantasy VII qui va a priori retracer l'intégralité de tout le lore qui existe. C'est un gacha qui est fait entre autres par Square Enix et je peux vous l'assurer que ça va être beau, ça va être grand, ça va être fort. Donc aujourd'hui, petite vidéo des 30 premières minutes du jeu, voilà, pour vraiment se familiariser avec le jeu et apprécier déjà cette musique. Ah oui. Et si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à compter, liker, partager et à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, ça ne vous coûte rien. Moi, ça me ferait extrêmement plaisir et ça m'aide pour le référencement. Et surtout, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez que j'en fasse une des vidéos récurrentes et que ça devienne un des jeux de la chaîne. Sur ce, c'est parti. Oh là là, que c'est beau. Pour le coup, j'ai même mis le casque pour entendre la voix. Oh là là! Je rappelle qu'on est sur un téléphone mobile. Aïe aïe aïe! Alors j'ai pas vérifié les qualités graphiques que j'ai utilisées. Aïe aïe aïe! Pourquoi ils ont pas fait un reboot comme ça? Aïe aïe aïe, c'est pas en français, je sais pas si on va pouvoir le faire après ou quoi. On a Fire A++, nice. Bah écoutez, un petit Fire X. Oh que c'est beau. Oh que c'est beau, et je rappelle qu'on est sur un téléphone. On est sur un téléphone. Et vous voyez que les actions, c'est moi qui décide. Ah, pour la captation, il faudra peut-être que je baisse la qualité graphique. Vous me direz en commentaire s'il y a des lags ou s'il y a le visuel qui... Ah, j'ai l'impression, quand je regarde mon écran de contrôle, que la captation se fait pas parfaitement bien. Oh, que c'est beau. Oh, cette musique. What? du coup, le combat, il est pas canon là du tout. Non, pas possible qu'il soit canon. Il y a pas pu avoir les trois en même temps. Ouais, donc ça c'est pas terrible. Oh que c'est beau. Aïe 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 aïe, que c'est beau. On a accès aux limites break. Oh là 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 là. Oh que c'est beau. Bon, on a l'apprentissage du système de combat, c'est agréable. C'est beau, c'est dynamique. C'est relativement assez fluide. On enclenche les compétences quand on veut. En fait, on est vraiment sur un gacha classique. Les attaques se font automatiques. Et on peut enclencher des compétences selon ce que l'on veut faire. Selon la barre aussi de compétences qui va se charger toute seule. On est vraiment sur un gacha.
mais avec un visuel qui va faire pleurer littéralement bon nombre de jeux. Oh non, non, ils vont. Ah, ils vont faire la musique de Midgard. Aïe, 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 aïe. Ah, pour moi, c'est du miel dans les oreilles, là. Ah, je suis comme ceux qui ont vu la première fois le remake de FF7. Mais là, je sais que c'est un système de combat qui me convient beaucoup plus avec des graphismes comme ça. Non, mais là, là, je pleure. Faut qu'il récupère ces assets-là et qu'il fasse un FF7 classique comme ça. Sans avoir le côté action RPG. Mais vraiment, oh là 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 là, oh là 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 là, oh là là. Ça se fait d'être amoureux d'un jeu vidéo? Si vous n'avez rien de prévu pendant les 60 prochaines heures, 72 prochaines heures, pourquoi ne pas sauver le monde? Ouais, il y a des petits ralentissements, faudra que je fasse attention. Je baisserai la qualité un peu graphique. Mais you, mon poteau! Hello! Le jeu va être très gourmand. Oh là là, oh là 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 là. Oh qu'il est beau. Oh qu'il est beau aussi. Oh qu'ils sont beaux tout ça. Est-ce qu'on va avoir accès aux paramètres? Ça va me permettre de modifier les paramètres visuels. Ça pourra me permettre aussi de vérifier s'il n'y a pas la version française. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. On a un petit temps de chargement. Ça a l'air. This way! Ah, ennemi info, on s'en fiche. Sound, on est bien. Partie info. Battle automatique, buff et debuff, icône. Ok. On peut skip, hein. Je ferai remarquer que l'on peut skip. On peut aussi skip le tuto, si on en a envie. Bien évidemment, on ne le fera pas, mais on peut. Donc on ne peut pas avoir accès aux settings des... Ah d'accord, donc ça va être un... D'accord. On peut pas avoir accès aux settings graphiques et tout ça, mais en vrai... Ah que c'est beau! Oh si c'est vraiment l'entièreté de cette zone-là, on va devoir faire le combat contre l'araignée. Oi oi oi! Oh, qu'on va s'amuser!
Allez, on avance, on avance, on avance, on avance. Bon, après, vous connaissez l'histoire de FF7. Donc, en vrai, il y a peut-être moyen de skipper un peu les dialogues. On va voir, parce que là, sinon, même si c'est beau, même si pour moi, c'est du miel, ce que j'entends, même si pour moi, là, je suis en train de revivre une partie de mon enfance, sur les 30 minutes de jeu, ça serait quand même bien de pouvoir avoir accès à quelques petites choses intéressantes. D'accord, les alliés sont en auto-fight et nous on gère que l'unité principale. Si j'appuie dessus, il va automatiquement focus le bestiau. Ok. Ça semble logique. On va peut-être pas utiliser la magie. D'ailleurs, il n'y a pas de magie. Ah, c'est peut-être la barre jaune qu'on avait vu en bas. Résulte battle, on a de l'XP. Vu la place, on va pouvoir être jusqu'à 4 sur les zones, a priori. Ce qui est différent du jeu. Si je dis pas de bêtises, normalement on est 3. Non, on va pas faire auto, on va faire skip carrément. On skip les dialogues, on les connaît. Je vais vérifier. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir des... Non, je pense que tout ce qui va être coffre et tout ça, ça va vraiment être le minimum syndical. Voire rien, parce qu'il faut pas déconner non plus. Si, j'ai cru voir un coffre. Alors, la manipulation... Voilà, le coffre est là. La manipulation avec le stick virtuel, c'est un peu compliqué pour moi, j'avoue. C'est pas intuitif pour moi, mais c'est pas grave. Un combat, donc on a des combats aléatoires qui se positionnent quand même. Il y a des ennemis qui sont sensibles. Ah! Non. Voilà, cadeau. On peut skip les animations, ce qui est sympa aussi. Pour l'instant, le jeu, c'est un 10 sur 10. Hein. Je vais rien dire, mais... Ça met des claques, hein. Bon, on peut skip, hein. De toute façon, cette partie-là, on la connaît. Tout le monde le connaît. Allez hop, on va peut-être même pas lui parler. Alors normalement il y a des mini, presque des mini quêtes, hein, si je dis pas de bêtises. Là, dans l'absolu, ça reste le tuto. Et vous avez pu voir qu'on pouvait complètement skipper le tuto, donc. Ah ouais, mais là, si on skippait les tutos, on n'aurait pas ces musiques. Là, on a une action. C'est quand même sacrément beau, hein. Aïe 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 aïe, ah, ces musiques, ça fait partie des. À mon sens, ça fait partie des plus belles de la licence, pourquoi pas, de la licence entière de Final Fantasy. Ok, ok. Ça se prend largement. Donc on est niveau 2. Alors je ne sais pas par rapport au niveau de rareté. Est-ce que les raretés se basent sur les équipements, sur les personnages? Est-ce qu'il va y avoir plusieurs itérations d'un même personnage? Pour l'instant, j'en sais rien du tout, hein. Je suis comme vous. Là, on est sur un gacha qui est nouveau. Sur une licence, c'est bien évidemment que l'on connaît tous et toutes. Non, ça c'est du décor.
Les déplacements, c'est pas mon kiff, intersidéral, je l'admets. Mais bon. Oh, le pauvre, il est tout seul. Oh, aïe, 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 je le plains. Ah oui, non, mais là, il vient de se prendre une boule de feu et un éclair dans la gueule. Ce fut clair, net, précis et intense. On récupère des cristaux. Alors, je ne sais pas ce que c'est, ces cristaux. Où est-ce qu'il faut aller? Ah oui, là-bas. Voilà. Donc, il y a quand même des coffres que l'on peut zapper. Hein. Enfin, il va falloir quand même faire gaffe. On va vérifier quelque chose. 360, 358. La question que je me pose, c'est est-ce que l'on récupère ses PV entre chaque combat ou pas? Pourquoi? Tout simplement parce que... En vrai de vrai... je vais mettre un petit ventilo. Ah, plus de ventilo, dommage. Ouah, le téléphone, il est en train de cramer. Il va falloir que je baisse la qualité graphique. Bon, après, je pense pas que même en baissant un peu la qualité graphique, le jeu soit moche. Hein. Loin de là. Mais c'est un truc que j'aime bien faire aussi, ça. Vous attendez, c'est un coffre là-bas. Vous proposez de voir ce que ça donne en version graphique minimum. Parce que de toute façon, il faut dire ce qui est, hein, sauf quelques personnes, beaucoup de monde mettent le jeu en minimum parce que ben, quand on est des heures à faire du leveling, voilà. Donc c'est toujours intéressant de voir ça. Oh là 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 là. Ah, ce jeu! Ce jeu de l'amour! Ouais, ouais, on va set la bombe. On sait ce qui va se passer. Il va y avoir une animation avec l'araignée qui va arriver. Ah, cette guitare électrique! Aïe, aïe, aïe! Oh là là! Oh là 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 là! Cadeau. Ah, je pensais lui faire sauter son animation, mais non, il a été prioritaire. Donc faut que je fasse gaffe, l'unité peut avoir ses priorités. Il s'est préparé pour faire une grosse attaque, donc bien évidemment je ferme mon ult dans sa gueule avant. Ça va, c'est pas son ult. D'accord, donc on peut se mettre en mode attaque ou en mode défense. Oui. Très bon, très bonne idée. Très 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 bonne idée d'avoir un bouton comme ça. Excellent, mais... Non mais sans déconner, c'est une très très bonne idée. Aïe aïe aïe, avec la GGTB et toi. Non mais ce jeu, mesdames et messieurs, ce jeu va faire partie de mes purs bonheurs de l'année. Je vous l'annonce. Ah, ce jeu.
Ah que c'est beau! J'ai l'impression de rejouer sur ma PlayStation, mais avec des qualités avec une qualité visuelle largement augmentée. Non mais de toute façon ils se prennent que 80, ça sert à rien que je passe. Oh, on peut les comboter. Je me prends que 80 quand je me prends des dégâts, ça sert à rien que je m'amuse à passer en mode défense. Hein. On peut se les... Ah oui, non, alors, par contre, j'espère qu'il va y avoir un bouton pour se les lancer automatiquement. Comme ça, on pourra les comboter toujours de manière, optimisée. Hein. Allez, on tue cette petite araignée. Au revoir. Oh là là. Et le tout sans se soigner. Et je rappelle, ça, c'est sur un téléphone. Hein. Voilà, c'est téléphone. Oh la vache. Et en plus, mon téléphone se fait vieux. Donc, en vrai... Oui, bon, on connaît. Tant que vous me zappez pas les animations... Run faster! Oui, oui, hop. Là, normalement, il faut le faire manuellement dans, dans les jeux. Hein. Là, non. Ah, que c'est beau! Ah, que je suis heureux! L'épisode 1 est complété. L'épisode 2, est-ce qu'il va me bloquer ou pas? On a la sélection des stories. Mon dieu, alors pour l'instant, on a FF7, on a Crisis Core et on a... beaucoup à télécharger. Eh ben écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais le télécharger en off et je reviens tout de suite après. J'en ai profité pour aller me chercher un petit café. On va rentrer notre nom de joueur. Eh bien, ce sera Abraizen. Faisons simple. Appelez-moi Dieu. Alors, on a le Perform Draw. On va... hop. Direct comme ça, de l'invocation. Eh ben écoutez, ça sera donc la première multi de ce jeu. Une petite multi gratuite. Ça se prend, non? Petit café. Oh, le visuel n'est pas moche. Oh, que le visuel est beau. Oh, que le visuel est très très beau. Alors, très certainement qu'il y a des animations qui vont être... je viens de faire un critical, donc il y a des chances que j'ai une bonne arme. Très certainement qu'il va y avoir une animation qui va être différente selon la rareté des éléments. J'ai beaucoup de violet. Je sais pas si c'est normal. Et je sais pas ce qu'il y a au-dessus de violet. Bon, il doit y avoir très certainement doré aussi. Tap. Le Kaiser Knuckles. Une Wizard Staff. Alors, par contre, c'est 3 étoiles aussi, tiens. Ah oui, non, c'était 4 étoiles, d'accord. Ah, là, on peut skip, d'accord. Ok. C'est joli, mais a priori, il doit y avoir plus que du 4 étoiles. Homme. Oui, oui, reclaim. On a énormément de choses à récupérer sur le côté. Vous voyez, il y a énormément, là, juste ici, de points précis. On va augmenter la puissance d'une arme. D'accord. Est-ce qu'on a tous les personnages déjà de base? Non, pour l'instant, on a que lui. Non, mais ça sert à rien de hunt. Oh, enfin. Bon. Ouais, obligatoirement, c'est le tuto, vous savez. Il nous fait faire à peu près n'importe quoi au départ pour nous apprendre qu'on peut équiper une arme et qu'on peut l'augmenter à puissance. Oui! On va pouvoir claim, donc on a énormément a priori de missions diverses et variées.
On a la célébration, premier jour de célébration, 300 diams, ça se prend. C'est bon, on a accès à tout. Non, on va avoir 10 bidules. Du greenstone, d'accord. Ok. New draw revival. Un nouveau tirage. Et ça sera du coup les herbes ou les persos. 5 étoiles garanties en tant qu'arme. Nice. D'accord. Ok. 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 Bah on a beaucoup de pubs. C'est des... What? C'est des tenues alternatives? Ah non, c'est des armes alternatives, le Heavy Hauser et le Murazama. Ok. Season Pass qui arrive. Alors le Season Pass, vous savez, pour les Pay to Win, vous savez ce que c'est. Pour tout le monde, très rapidement, ça va être un objet, ça va être un chemin d'avancement que vous allez pouvoir avoir de manière gratuite. Et si vous payez, vous avez beaucoup plus d'items sur les paliers du chemin. Voilà. Et j'ai l'impression qu'on va avoir directement accès à tout ce que l'on veut. Pendant 12 heures, on peut avoir 5 étoiles, une arme 5 étoiles garantie pour Cloud. Pour 200 diams. D'accord, on va close. Ok. C'est bon. C'est bon. Ça a l'air. Ça a l'air. Alors, premièrement, on va aller dans les options, dans les settings. Et je vais modifier la qualité graphique. Ouais, là je suis en ultra, ça se... Ça... Voilà. On va passer en médium, voir ce que ça donne déjà. Hop. Alors, en médium, ça devrait continuer à être sacrément beau. Mais au moins, je suis certain que j'aurai beaucoup moins de... déjà, mon téléphone, il cramera pas sur place. Et en plus, visuellement, sur les vidéos, sur la captation, je risque d'être mieux. Alors, on va voir ce que c'est entre ultra et médium, la différence. Potentiellement, je repasserai sur du high. Il n'y a pas de problème. On se fait ça tranquillement. On est vraiment sur une session découverte. Pur et dur. Donc on y va tranquillou. Et on voit ce que ça donne. Et pendant ce temps là, mon petit chat s'est placé derrière. Oh qu'il est beau. Et pendant que ça tourne, je vais prendre un petit café. Ouais bah alors déjà visuellement je vois pas la différence. Gift. Parce que normalement on a énormément de cadeaux. Climb Hall. D'accord, donc on voit déjà... Waouh, j'ai carrément des superbes armes. Nice. Donc on voit déjà qu'il y a une différence entre les rubis de tout à l'heure et les rubis actuels. Enfin, les diams de tout à l'heure et les diams actuels. Donc il va y avoir la différence entre les diams payants et les diams gratuits. D'accord. Donc là, on voit que directement avec le... avec les préinscriptions, on a eu directement deux armes 5 étoiles. On a un tirage 5 étoiles de skin. Et on a un tirage 5 étoiles gacha-esque. Donc ça peut être sympa. Notice. On se fait tous les points. Techniquement je dis les points rouges habituellement, mais là ça sera les points jaunes. Nice. Le season pass, on va directement aller regarder rapidement ce que c'est. Il coûte 15 balles hein. C'est quand même... Ouais, c'est quand même un prix. 15 euros, c'est pas rien. Après, à mon avis, il doit valoir le coup. C'est rare que Square Enix fasse des season pass qui soient pas quali. Donc, quoi qu'il arrive, on se doute que ça sera qualitatif. On va claim. Donc, les missions, c'est les achievements. On a des daily, on a du général, on a du weekly et on a pour... le départ, on a un coffre ici. Ok. Ça reste dans le classique, mais c'est du bon classique. Donc ça, je prends.
Gift, on va encore claim all. Voilà. Le shop. Voit qu'on a un point sur le shop, on va y aller. Limited time, donc pour 200 diams payés, on a automatiquement une arme 5 étoiles pour Cloud. Là on voit qu'on peut utiliser énormément d'argent divers et variés. Daily stock, on va le prendre. Ça c'est le truc que on a maintenant dans beaucoup de gacha, c'est devenu un classique. C'est littéralement le petit pack gratuit que vous avez acheté, vous pouvez acheter tous les jours. Alors les passes, les boost passes qui augmentent les rewards. Et le soldier pass. Ok. Ok. Les packs memories, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est utilisé avec des diams payants. Donc littéralement c'est pour les pay to win. Ah, littéralement c'est ça. Hein. Tout ce qui est avec diams payants ou argent comptant, c'est les pay to win. Là c'est encore. Oui, il y a énormément de choses à acheter par contre. Hein. Waouh. Alors on peut acheter des trucs avec les gilles, c'est ce qui est intéressant en vrai. Gear Exchange. D'accord. Donc on peut directement aller échanger des choses. Synthétiser des choses. Ok. Ça sera très certainement quelque chose qui nous sera réexpliqué plus tard. Alors là on va juste parce que je déteste les points jaunes et les points rouges. Tout ce qui est point de dire hé hé, t'as oublié un truc, je déteste. Donc on va très vite passer tout ça, comme ça au moins il n'y en a plus. Et quand il n'y en a plus, on est content. Voilà. Comme ça en plus quand il y aura de la nouveauté, on sera au courant. Là il y a un point jaune, qu'est-ce que c'est? Les White Pawn Inventory. D'accord. White Pawn Part, Memory of Peace, Others. Tout ça on regardera au moment venu. Voilà. Bon, tout ça, c'est bon. Draw. Par contre, il me dit en home que j'ai encore des trucs. D'accord. Attendez, parce qu'en home, il me dit que j'ai encore des trucs à récupérer, à cliquer. Ah, mission. Claim all. Voilà. Alors, on draw. On va faire les tirages. Tirage spécial. Alors, encore une fois, les tirages spéciaux, vous voyez que c'est des diams qui sont payants. Les cristaux payants, puisque c'est les cristaux rouges. Donc ça, c'est pour les pay to win. On a ceci. D'accord. Check reward, stamp chat, and change reward select, confirm. Donc là on a une wish list, d'accord. Donc c'est littéralement sur les personnages que l'on veut. Pourquoi pas. On va laisser comme ça pour l'instant, je pense pas qu'il va y avoir... que ce sera trop problématique. Et par ticket, et je rappelle que l'on a des tickets. On a un ticket de 5 étoiles garantie, on va faire directement, voir ce que ça donne. Donc, Cloud arrive. On regarde ce que c'est, on sait que c'est un 5 étoiles, donc l'animation va nous dire ce qu'il faudrait avoir comme animation pour du 5 étoiles. Pareil, on a le gros monsieur Pavo qui arrive. Et là, je pense qu'on va... Ouais, si c'est nous qui arrivons à pousser l'adversaire, on a plus ou moins des chances d'avoir du 5 étoiles. Et avec le fever. D'accord. C'est bon. Maintenant, on sait. On a du coup une 5 étoiles pour les 3 légendaires. Enfin pour les 3 héros de base. Ce
Quoi, celui de The FF7, celui de FF7 Crisis Core et celui de. Bah voilà, lui. Ok. On nous dit que si on a des armes qui sont dupliquées, enfin qui sont les mêmes, voilà. On va avoir des bonus et tout. Ok. Alors, on a 30 tickets de tirage classique. En vrai, on va se les faire. Alors, je ne sais pas si c'est opti, hein, je vous rappelle. Je découvre le jeu en même temps que vous. J'ai pas encore regardé tout ce qu'il y a à faire, mais c'est toujours bien de tirage. Alors, le bébête. Allez, on espère qu'on va réussir à le foutre en arrière et qu'il va y avoir un fever derrière. Allez, repousse-le. On repousse. On le repousse. Et non. Donc, ça sera, il n'y aura pas de 5 étoiles, a priori. On arrive à faire un omni-slash. On arrive à faire un crit, donc il va y avoir du violet. De ce que je comprends, hein, Et on n'aura pas de fever, donc il n'y a pas de... Ouais, on a failli ne pas avoir du tout grand chose, hein. Houhou. D'accord, draw again. On tenait, faire l'invocation. De toute façon, on a déjà vu le mode histoire, on a déjà vu le visuel que ça. Les invocations, c'est pas mal. Après, on va aller voir un petit peu les menus. Et puis, on finira la petite vidéo comme ça. Mais j'aimerais bien avoir du 5 étoiles encore. Mais cette fois-ci, hors ticket 5 étoiles obligatoire. Allez, on va repousser le gros monsieur vilain. Allez, on le repousse, on le repousse, on le repousse. On le repousse. Oh! Esquive, je la connaissais pas. Un petit fever. Le critique, le fever. Donc, a priori, de ce que je capte, on aura un 5 étoiles. Oh oui! Un 5 étoiles, messieurs, dames. Oh, on va faire les tirages à part, hein, là. On va être obligé. Faut qu'on voit l'animation du 5 étoiles. Allez, 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 on y va. On y va, on y va. Oh. Tifa. Ah non. Oh oh, jolie arme. Bon, le reste, on s'en fiche. Eh ben, écoutez. Un 5 étoiles comme ça, gratos. Voilà, moi, je suis content. Hop, on avait encore 10 tickets. Alors, on a déjà vu l'animation classique, l'animation... Enfin, l'animation où on repousse, l'animation où on est repoussé, l'animation où on esquive. Est-ce qu'il y a d'autres animations? Et ils vont nous la faire à la Dokkan Battle. Il va y avoir l'animation où il va y avoir Barrette derrière, il va y avoir l'animation où... où littéralement, ça sera pas un monsieur qui arrivera. Il y en aura deux, je sais pas. J'aimerais bien savoir toutes les animations possibles qu'il puisse y avoir. Voyons voir sur quoi on va tomber. Allez, allez, on repousse, on repousse, on le repousse. On le repousse. Ah non. Bon. On n'aura pas de 5 étoiles. Un fever. Attendez, il y a un fever. Hein. C'est pas un critique, c'est un fever. Oui. Donc on peut avoir des fevers comme ça. Si on skip, est-ce qu'on arrive quand même sur le 5 étoiles direct? D'accord. Mais c'est bon ça! Back! Back, 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 Beethoven! En vrai, je suis content! On a énormément de diams. Mais, je vous avouerai que pour l'instant, je pense que au vu des unités que j'ai. Coop. Oh, on peut le faire à plusieurs. Ça donne des idées de vidéos. Si vous avez envie d'ailleurs que je joue avec vous à ce jeu, puisqu'a priori c'est possible, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et je pourrais même faire des lives où je joue avec vous au jeu.
Enhance, grow, characters, summon, homme. Ça donne du bon ça tout ça madame. Messieurs, dames, je sens que ce jeu va être très, très, très qualitatif. Oui, messieurs, dames. Oh, qu'on va s'amuser. Ah oui. J'aimerais bien juste aller équiper mes persos. Alors, où est-ce qu'on va avoir ça? Oui, on peut utiliser les équipements comme moyen de... Alors, par défaut, non, je veux par... rareté. Non, mais dans l'autre sens, rareté. Descendant, merci. Oh, que c'est beau. Donc les équipements qu'on a en doré, nous avons donc le SSR 1976, le Prime Number, le Apology of... Non, Apology in Hell, j'ai cru que c'était Off Hill. Le Queen Kittaker et le Zander. Par contre, on n'a pas le... Ah zut, je croyais qu'il y en avait une, c'était à Cloud. Oh, je suis tristesse. Je n'ai donc pas d'arme pour Cloud. Mais c'est pas grave. Partie. Solo party. Donc pour l'instant on a Barrette. On peut faire les équipes comme ça. D'accord, la puissance et tout ça. Pour l'instant on n'a pas d'autres joueurs. Ah si, on les a ici. Ok. Et on peut les sélectionner comme on veut. Ok, ok. D'accord, donc le jeu va quand même être... Va quand même demander énormément de... De l'apprentissage. Parce qu'il y a énormément de choses. Alors, les menus sont très bien faits. On comprend ce qu'il faut faire. Ça reste quand même, de manière assez conséquente, intuitive. Mais il y a énormément à avoir. Il y a énormément de choses. Et j'avoue que... Ouh, ça plaît, ça plaît, ça plaît. Inévitablement, ça plaît. Bah écoutez, j'espère que cette petite découverte vous aura plu. Moi le jeu me plaît, je l'avoue humblement, beaucoup. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez que je vous en fasse pour la chaîne. Si vous atteignez un certain nombre, que je ne vous dirai pas, de likes, de vues, tout ce que vous voulez, je vous fais une vidéo, on est quel jour aujourd'hui? On est jeudi. Je vous fais une vidéo pour le week-end, samedi ou dimanche, ça dépendra comment j'avance. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous n'avez pas commenté, likez, partagez et à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, ça ne vous coûte rien. Mais moi, ça me ferait extrêmement plaisir et ça m'aide pour le référencement. Et apparemment, ça m'aide aussi pour avoir des 5 étoiles. Sur ce, je fais de gros poutous et je vous dis à la prochaine. Bye.